Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo planeur puisqu'on va faire ensemble le setup de mon planeur. Je commence par me faire des intercalaires, pour cela je coupe des morceaux de papier de 17 cm et demi par 9 cm et demi. Pour information, tous les éléments que j'utilise pour ce setup sont de la collection Hustle and Heart de chez Amy Tangerine. Ensuite, je prends une feuille appointillée qui va dans mon planeur, donc c'est au format personnel, et je m'en sers pour faire des gabarits pour savoir à quel endroit je dois percer les trous, et pour ça j'utilise une perforatrice un trou toute simple de chez Fiskars. Je procède de la même manière pour les autres intercalaires et je vais pouvoir continuer en faisant mes onglets. Pour cela, je n'ai aucune machine, donc je vais tout faire à la main. J'ai choisi d'en faire 4, donc ils font environ en hauteur 4,3 cm chaque onglet, et en largeur, j'ai choisi de les faire à 0,5 cm. Donc là, je trace simplement des repères pour savoir à quel endroit je dois couper. Donc là on voit déjà que le premier onglet est formé, je n'ai plus qu'à gommer les traces de crayon en papier qui restaient et je vais passer à l'intercalaire suivant. Pour le second, je procède exactement de la même manière, sauf qu'au niveau de la hauteur, je vais additionner les deux tailles de mes onglets, donc je vais faire 4,3 x 2, ce qui va me faire un onglet de 8,6 cm. En fait, je fais pas un onglet par intercalaire, mais plutôt je vais couper en fait l'excédent dont je n'ai pas besoin pour que tous mes onglets se superposent, et au final, j'aurai un système d'onglets où je verrai chaque onglet pour chaque page. Si mes explications ne sont pas claires, je suis vraiment désolée, c'est assez difficile à expliquer à l'oral, mais je vous laisse regarder les images et vous allez comprendre assez facilement. Une fois que tous les onglets ont été découpés, voilà ce que ça donne. Donc le troisième, j'ai rajouté à nouveau 4,3 cm sur la hauteur, et le dernier, je n'ai pas eu besoin de le couper. Je vais maintenant arrondir les deux bords qui sont sur la droite avec ma perforatrice de chez Fiskars, et pour arrondir le bord de l'onglet, ça ne passait pas la perforatrice, c'est trop grosse, donc je le fais simplement au ciseau. Je trouve que ça donne un effet un petit peu plus sympa d'avoir les côtés arrondis. Je n'arrondis pas les côtés où il y a les trous en fait, parce que le papier sinon, comme il est carré dans le planeur, ça se verra à travers et c'est pas très joli. Et voilà, tous mes intercalaires sont prêts, on va maintenant pouvoir passer à la décoration. Pour cela, j'ai les die cuts et les stickers, toujours de la même collection Hustle and Heart de chez Amy Tangerine, et je vais m'en servir pour décorer tout ça. Donc là pour le coup, je vais vous laisser avec les images parce qu'il n'y a aucune explication à donner, j'ai utilisé aucune technique, j'ai simplement superposé des papiers, des die cuts et des stickers, vous allez voir, et du coup je vous retrouve à la fin de la vidéo. Une fois que mes intercalaires sont terminés, je les insère dans mon planeur et pour terminer je vais rajouter un morceau de papier, donc j'ai pris le même que sur le premier intercalaire, que je vais glisser à l'intérieur de la couverture pour faire un petit rappel et terminer cette décoration. J'ai choisi ensuite deux paperclips de chez Maison du Monde que je viens accrocher sur mes deux premiers intercalaires car ce sont vraiment les intercalaires principaux. Le premier pour les pages de bullet journal et le second pour toutes les notes que j'aurai à prendre. Donc c'est vraiment ceux où je veux y accéder assez facilement. En ouvrant directement le planeur, je peux attraper le paperclip et accéder comme ça à la page en question. Pour finir, je reprends le bloc de stickers et je vais rajouter une petite citation en gold par-dessus mon papier qui est à l'intérieur de ma couverture, ainsi qu'un petit cœur, je trouve qu'ils sont vraiment super mignons et ça rajoute une petite touche déco supplémentaire. Et voilà, le setup de mon planeur est terminé, je suis vraiment contente du résultat, je suis un petit peu sortie de ma zone de confort, j'aime bien utiliser plutôt du rose, du gold, des paillettes, des couleurs plutôt claires, tandis que là c'est vraiment quelque chose de très bariolé, très coloré, donc je suis vraiment contente d'avoir réussi à relever ce défi. Dites-moi dans les commentaires quel est votre intercalaire préféré. Moi j'hésite entre le troisième et le quatrième, j'arrive pas trop à me décider, c'est vraiment deux styles différents mais je les trouve vraiment trop canons. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos planeurs. Je vous invite également à me suivre sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes créations puisque je n'ai pas le temps de tout filmer, je poste la plupart de mes créations directement sur Instagram. On peut aussi s'y retrouver pour discuter ou bien vous pouvez me retrouver assez régulièrement dans les stories. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!